Tous mes respects, monsieur le procureur général du Mali. Ala jamana procureur général, aye mwa mi kusu, kafoko mwa mwenye tirusu, ulule bula kata Algérie. Algérie ulu bismillah li, mamou diko fa konte, mamou diko tara katrain, obe mamou diko ke mouni. Montre-moi tes meilleurs amis, je vais prédicter votre futur. Comme moi, bah, toi, manioro, son bêta, qu'on fait qu'à tchènyan. On te fait un mandéen, moi, il t'a recoudé. Moi, bah, toi, manioro, son bêta, fait qu'à tchènyan. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Terroriste, ou bien gain, ou bien fera mali là, ou bien bouli, travaux tout là. Ou bien t'as goûté là. Ou bien Mauritanie. Ni même mon niveau ni. Ou bien t'as sorti. Ou bien t'as sorti Mauritanie. T'es russe ou bien gay. Ou bien boli. Ou bien t'as mis. Ou bien t'as Algérie. Ni même mon niveau ni. Ou bien t'as sorti. Ou bien t'as sorti Algérie. Donc qu'est-ce que c'est là, mon niveau? Avec la cabane de Jamana, qu'on a cabane au Johan, qu'on a très don don iné, qu'on mettait la balle en terre, on clouait malam la camphora d'eau là, qu'on pouvait boire du coco kadje. Mais on sait que du coco, qu'on trouve maintenant, on peut sauver cette personne. Ça, ce n'est pas l'analyse de Dante. Ça, c'est l'analyse des Français. C'est inadmissible. Quand ni mon malien dingo ou yoko jamana kabu ou se kachinya bouda kono, ni taro aimu dingo le lisu yoko a penala na kratche. Ale ama dimite moloa yerema, kaka moloya molo la kwa, ni kosku do kera kwa. Ala ma dimise ka ke flani kafu yi fuka sili ala ma dinka, ki ka jamana burja, ki ka jamana feri tiye, be sikile nyabala, be! Abe fe mouni kake, na do na 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 ka bukara, ala mga nga jamana kona la. Donc, voilà la réalité devant vos yeux. Donc, bitouni, abe ti sikile Algérie, kata nga drapo ke drapo fidinini, kata Algérie ke drapo ke drapo bribli ba. Non seulement, il n'était même pas obligé, mali ke drapo kaka kofé. Pourquoi il a besoin du drapeau de notre pays? Est-ce qu'il était obligé d'avoir le drapeau de notre pays? Mon niveau de demander le drapeau du coffre. Au moins, il faut respecter notre nation. Donc, nous avons une réalité. Donc, nous avons fait que Burundi. Il y a que Burundi. Moi, à la place de M. Adama Koulibaly, moi, je vais interpeller tous ces gens-là qui étaient sur le réseau, qui disaient que ce qu'ils faisaient, ils n'avaient rien fait. Moi, je vais leur demander et je vais leur poser la question. Si ça, c'est quelque chose ou c'est pas quelque chose, ils n'ont qu'à s'expliquer. C'est pas la peine. Mamou Diko et Munga, moi, Djamana Kono. Ateke Djia Dougouchila en 2023. Ateke Djia Dougouchila en 2024. Cela n'est admissible nulle part sur la terre de Dieu. Djébé avance la tournée qu'au Oma. Mou Amazonie 30 000 employés. Ou yon urbo de blak. Temen arama doun kibouyara. Temen arama doun borou yere kalama. Ou klime ka urbo de blak. Ou si mou nola ka barake. Arama doun ka mou lose au niveau de ma. Nina abe djouga ka teme salon ka. Mou ni fium kibouyara ka so niveau de ma. E mou ni fium kibouyale. Ka bos nogo la. Fou bi. Madame la kou klime ka ke anwa djamana la. Djamana miye djien mara. Pendant 500 ans. Hein? Samori Touré. Djamana Mouni, imination li, et fora tchaba mounoukou. Samori Touré bou tchaba ou la. Kouni se ka keleke, ki ka bamouru di mousso ma, kou mousso ba ketro yri la. Djamana Mouni, kou ka fuga sati seven. Waso tobou yre taro bigi ni papiye femye. Djamana Mouni, djie benye depuis le début. O jamana dine bina niketa o jamana kono. Ibi klaka o jamana dung kumakami o jamana kono kote kujuguye. Ko ango o balbla anter. Kuma te digine dante la kate maka. Kuma maine, kuma e bomni. Ni a boy da kono dron itaro mou mekala. Fou fere tre attention avec vos mots. C'est très très important. Il faut avoir l'art de la dialogue. C'est impératif. C'est impératif. Mamou Diko c'est un bandit. C'est un terroriste. C'est l'ennemi international du Mali et il va payer le prix sans doute. Tout homme qui a la capacité judiciaire sait que ce que ce monsieur est en train de faire est inadmissible. Donc, Aïe Sabali, n'avez pas de maîtriser, Aïe Oudabouala.
ce monsieur, il est en mission. Il a dit à Assimi Goïta, à Abouada de Kono, ko, koni abe Assimi Kono, ko alebini si, ka Assimi Nadje, Assimi ka ko ke moun kadaye, ko te ke ko abadan, ko konya fwa yana, ka akulubena, ama fwa on yana. Il a dit ça, amou Abouada Kono, ka so kati si, Algérie sa, kata ke galondre, Dr. So min glana, alors que Dr. So kon nati tanere, Dr. So fabrike le, quelqu'un qui dit au courant, moi aussi, manouaï, et ni moi, manouaï. Hein? Et ni moi, manouaï. Algérie reçoit les terroristes du Mali. Et toi, tu es là-bas. Et ni moi, manouaï. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Quel accident Aïkido. De quel timing. Donc, au nier, quand il a oublié qu'il faut que tu aies, moi, il y en a ma tête, ni français, ni Kumakaï. Convocation des diplomates, rappel des diplomates. Mais plus grave, ben, selon Bamako, c'est que l'Algérie reçoit un imam très célèbre, l'imam Mahmoud Diko, qui est la bête noire du régime, qui est en froid avec le régime. Et là, Bamako dit, il n'est pas question, nous ne sommes pas contents. Et là, c'est un véritable pied de nez, parce que Bamako dit, bon, cette fois-ci, après avoir reconquis la ville de Kidal, cette fois-ci, nous ne voulons plus de l'Algérie comme médiateur. Est-ce que c'est une manière aussi de dire que l'accord d'Alger est enterré de fait et qu'il n'a finalement pas été, est-ce qu'il n'était pas finalement voué à l'échec dès sa signature en 2015? Je recommençais par la deuxième question. Il était voué à l'échec pour une simple raison, c'est que vu du Sud, l'accord consacrait la partition du Mali. D'ailleurs, le président Ibrahim Boubacar, qui était à l'époque, en 2015, voilà, c'est lui, il est décédé, il disait en privé, on m'a forcé la main pour signer l'accord. Et du côté des rebelles, il faut quand même dire que les rebelles disaient aussi, nous ne faisons pas confiance au gouvernement, nous allons déposer la dernière arme seulement si l'accord est appliqué. Donc ça c'est clair. Donc dès le départ, il y avait problème. Mais maintenant, est-ce que l'accord est enterré? Oui, de fait, l'accord est enterré, puisque le gouvernement malien décide de faire un DDR, un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, à sa manière. Par exemple, je sais qu'au mois de janvier, ou très prochainement, des groupes armés impliqués dans le processus de paix, mais pro-gouvernement, vont plutôt intégrer l'armée. Vous avez un groupe qui s'appelle le MSA, vous avez un autre groupe qui s'appelle le Gatia. Donc l'accord est enterré par Assimi Goïta, Simo Dakantigi. Donc l'air est grave. L'accord est enterré. L'Algérie est ennemie du Mali. L'Algérie reçoit les ennemis du Mali. Les terroristes du Mali. Dénoncé par l'État du Mali, en recherche et recherché par le procureur général du Mali. Et Algérie reçoit ses derniers avec Mahmoud Diko, qui n'avait pas de permission d'aller représenter l'État malien. Et puis le gros bête qui déteste notre gouvernement et il n'a jamais caché derrière. Donc vraiment, Diko est en train d'aggraver son cas de plus en plus. De plus en plus. Quand on a Diamana est présenté, et quand Mali drapeau là, et regarde le drapeau de notre pays, drapeau fidèle, et quand Algérie drapeau brisé là, ça c'est des communications à top niveau. Insulter notre pays, dénigrer notre pays devant la communauté internationale.